promesse me suffit. Mais où sont passés tous ces hommes qui m'avaient promis? Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Je fais des erreurs, tu gommes, nana. Quand toi tu promets, tu le fais. Tu n'es pas un menteur, tu es un appui pour le faire. Tu ne promets pas pour abandonner. Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Mais ça, mais j'aurais voulu qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre vous et eux-mêmes voient physiquement celui qui donne ou celui qui donne. J'aurais été pour moi. Maintenant, avec les transportations, les intermédiaires et tout ça, le repas, le don reste le don. Au même moment, la physionomie, le rapport. J'aurais la grâce de Dieu qui nous le fait. Je ne sais pas juste pour vous donner. Je vous dis merci. Hein. Merci à mes noms. Les témoins savent être reconnaissants. Ils le diront, c'est pas comment ça vous parviendra dans les mots justes. Je vous dis en attendant, merci à votre bon nom. C'est un bon nom. Un petit gars, un petit gars. Profite aussi. Il dit que nous ne sommes pas en reste. Bien que nous ne soyons pas ici actuellement. Mais nous restons enfants et natifs de ce pays. Et nous avons décidé, nous sommes sans enfants de l'Ouest, de faire ce petit élan de cœur pour nos frères que nous savons que nous sommes plus dans le besoin. Et vraiment, Dieu voulant, nous comptons, on va pas s'arrêter là. On va essayer d'implorer le Seigneur. De même, comme vous priez pour nous chaque jour, nous aussi, nous pensons à ceux-là qui n'ont pas de quoi manger. Et voilà, nous vient l'idée avec mon frère, une personne qui aurait bien voulu être là, mais qui ne sort pas. Mais nous sommes de tout cœur ici. Pas seulement nous qui sommes ici, aussi d'autres personnes qui ont essayé de mettre la main à la pâte pour nous dire à l'autre. Et c'est parce que nous avons fait un cri de cœur que voilà. C'est vrai qu'on ne prend pas plaisir à être passager tout seul. C'est quand on. Il y a le sourire autour de toi pour nous demander vraiment les enfants dans le village comment si on avait plus, on aurait fait plus. Et on ne va pas s'arrêter là. Nous prions que le Seigneur, notre Dieu, que vous bénisse abondamment, que vous garde en bonne santé. Et qui vous donne, qui vous comble de ses grâces, qui vous protège chaque jour, chaque moment de votre vie, et qui vous donne ce que vos cœurs désirent. Nous sommes vraiment touchés, nous sommes tellement contents. Nous vous disons merci. Lorsque j'élève ma voix, à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de mère. Je chante. Salut, moi pour c'est Marie, les amours perdus depuis Valenciennes. Oui, déjà ce matin nous étions du côté de l'église Saint-Barnabé. Parce qu'il y a les réfugiés du Nozo qui sont là. On a pensé à eux, on a pensé qu'on devait fêter Noël avec ceux qui sont en difficulté. On sait nous tous qu'ils sont dans une très grande période de, on peut dire, de trous. Et on a pensé vraiment passer un moment avec eux.
Et maintenant, nous sommes du côté de l'orphelinat où on estime que ces enfants ont besoin aussi de nous. Ils ont besoin de fêter avec nous. Si on a décidé de venir ici, c'est pour donner un petit bout de pain à ces enfants. Parce qu'on sait qu'ils n'ont plus de parents. Mais nous, on leur assure que nous sommes toujours avec eux. Et on va venir plus souvent passer des moments avec eux, pas seulement attendre Noël. Aussi durant l'année, aussi durant les périodes de rentrée, pour les accompagner dans leurs études. Et pour la suite, on est après l'orphelinat, on va prendre une petite pause. Et ce qui va suivre, ça va être le match de gala qui opposera les footballeurs professionnels contre les amateurs du Cameroun. Lorsque j'élève ma voix travers le livre, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Lorsque j'élève ma voix à travers le livre, nous sommes des jeunes footballeurs évoluant en Europe. Nous sommes sortis de l'Ouest. Je chante pour les enfants. On a décidé que en cette année 2023, on pouvait organiser un match de gala. Pour sortir, on a pensé aussi que on pouvait rendre visite à ceux-là qui sont entretenus par plusieurs personnes. Et voilà, ensemble on a décidé de ramener le petit cadeau pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les amours. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre modeste maison. Actuellement, vous êtes à l'orphelinat Maman Fanny, le CE au Centre d'encadrement des orphelins, Fondation Maman Fanny. Lorsque je lève ma voix. Fondation, parce que à travers cet orphelinat, je crée aujourd'hui un groupe scolaire pour permettre aux pensionnaires qui arrivent, qui viennent nouvellement, de ne pas souffrir pour dire on va les inscrire dans les écoles et qu'ils soient éparpillés dans la ville. Le groupe scolaire se trouve à côté de la Trinité, centre de santé, la Trinité. Le Seigneur vraiment nous donne la force d'y penser, que nous arrivons à trouver là. Et rassurez-vous déjà, vous avez la chance que nous sommes tous de Cameroun. Les mécènes, la majorité, les donateurs sont tous de Cameroun. Nous, comme on a dit, même si on donne un océan, ça ne peut pas passer déjà beaucoup de temps.
bénissez pour vous mettre dans cette histoire. Et je veux que vous souhaitez beaucoup de courage. Et je pense que vous êtes en L'idée c'est que tu es arrivé un peu avec le temps. La seule chose que je peux dire, c'est que nous devons prendre la place de Dieu. Je parle fort, je dis, je suis désolé vraiment d'être arrivé en retard. Et je pense que nous reviendrons par la grâce du Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment et pourquoi, comment ne pas te louer. Chantons pour que demain devienne plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Chantons pour les cœurs brisés. Chantons pour les cœurs brisés. La magie est, voici la magie est, la magie c'est le travail, travail mon ami est, voici la magie est, voici la magie est, la magie c'est le travail, travail mon ami est, la vraie magie c'est quoi, c'est quoi, la vraie magie c'est le travail, comment. Pour réunir les fils de l'Ouest, ceux qui ont participé au championnat camerounais par le passé, et pour dire une leçon à nos jeunes frères, qui sachent que ensemble on ira plus loin, qui pourront nous précéder, puisque la vérité c'est que nous sommes presque en même. Le travail, pour une forme de photocam. La vraie magie c'est le travail, mon ami. Mon ami Cyril Bojiko. La vraie magie c'est le travail. La vraie magie c'est le travail. Le travailler. Châtelain, châtelain. Travailler, laissez le commérage. Travailler, laissez le mougère d'âge. La vraie magie c'est le travail. L'empereur se trouve tout compliqué. L'empereur ne voit que le femme. L'empereur s'accuse tout le monde. L'empereur ne croit qu'à la magie. Pendant que j'apprends à chanter, personne ne voit. J'ai passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on m'appelle Kengo de froid. C'est la magie. Tout le monde m'appelle Bamile K-Boy. C'est le femme là. Aujourd'hui je joue à la guitare. C'est le talis. Tout le monde m'appelle Bamile K-Boy. C'est la sorcellerie. La vraie magie c'est le travail, mon ami. La vraie magie c'est le travail. J'ai pas le mingo non. La vraie magie c'est le
really wanna know you. Are you from around? I really wanna know you. Everywhere you go. Bonsoir, surtout, bienvenue ici. De Steve Bamazi, vous serez en fait pour cacher le nôtre. Le 25 décembre 2023, jour de nativité, fête de Noël. Vous comprenez que ça sent du bon ? Vous avez un beau spectacle. Et je profite tout de suite maintenant pour saluer la présence de Mike Ngadjengazou. Ah, c'est bien d'un diable. Toujours sur le coup sans jamais s'égaler. Je veux aussi également saluer la présence de Marie Mendessi, sans oublier bien sûr M. Fabien Mendessi et son géniteur. Il y a beaucoup d'enfants, mesdames et messieurs. Il s'agit naturellement de Saint Alexandre. Il serait également de la partie. Le chaperon, n'est-ce pas, va te sauver le coup d'avant. Et oui, le représentant personnel du gouverneur dans le coup d'avance sur réservation, mesdames et messieurs. On va faire commence. Allez, commence. Et c'est parti. À tous ceux qui viennent se joindre à nous, nous vous souhaitons la bienvenue ici au stade Bamenzi, dans ce match de gala qui oppose les professionnels avec cet endo entre les joueurs locaux. On avance en recul dans cette position, mesdames et messieurs. C'est un match de football sous un ciel suffisamment clément. Oui, maintenant, on va faire un peu de Fabien Lomossi. Est-ce que vous avez vu ce change-up, comme on appelle? C'est la pause ici à Bamenzi. Le score 2-0 en faveur des professionnels en bleu. Et Raoul. C'est reparti, mesdames et messieurs. On va donc saluer la société anonyme Les Poissons du Cameroun avec Chris Kemen, Tanke Djamel et V. qui est là. Les candidats qui mènent à l'écran. Ce ballon s'appelle que dangereux, mesdames et messieurs. Vous prenez un instant, mesdames et messieurs. C'est dans le prala de vivre ensemble. Ça va repasser. Ah, quelle récupération, ça peut faire mal. Derrière, il faut insister. Voilà qui est fait. L'appel de Marius Nombissi. Ah, c'est Tony. Ah là là. Est-ce qu'ils vont? Non! Et ça m'a écolé magistral sur ce coup. Ah! Vas-y. Vas-y. Merci deux. J'ai dit non pour tout. Oui. On a autre 15 minutes. Oui, vas-y. Ouska, on est parti. Oui. Vas-y. Vas-y, grand. Marius Nombissi, quelle était la symbolique d'une telle rencontre? Une très belle fête. Le public a répondu présent. C'était ça l'objectif. Et nous sommes satisfaits de fêter avec
cette famille, cette grande famille de Bamsam. On est vraiment heureux. On est content et on remercie tous ceux qui ont répondu présent, les autorités, nos anciens coachs, nos frères et nos amis, nos parents. On est vraiment heureux, très heureux parce que c'est une belle fête qu'on a passée en 2023. Est-ce que vous pouvez dire au public de la ville de Bamsam que ça serait une action pérenne? Oui, oui, on va faire ça chaque année. C'est pas la première, c'est pas la dernière fois. C'est la première édition 2023 et ça va suivre les années suivantes.